Je vais terminer cette première série de tutos sur le langage Java en vous donnant des pistes pour améliorer les classes que nous avons déjà créées. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas vraiment faire de programmation, je vais juste vous donner les algorithmes qu'il faudra que vous mettiez en place afin de créer quelque chose de mieux que ce que nous avons pour le moment. Donc ce que je fais, c'est que je vais créer une nouvelle classe que je vais appeler amélioration. Et dans cette classe, je vais simplement mettre un commentaire et vous dire ce qu'il vous reste à faire pour terminer ces classes. Donc, pour le personnage, il faudrait créer un inventaire. Un inventaire qui pourrait contenir des armes, des armures, des potions, de l'argent, donc de l'or. Donc voilà pour notre personnage. Ensuite, il faudrait créer des méthodes qui permettrait par exemple de s'équiper, prendre potion, bon, etc., etc. Donc ça, ce sont des méthodes qui vous permettraient d'utiliser des objets. Donc ça, c'est ce qu'il faudrait rajouter à personnage. Ensuite, dans notre fonction main ou dans notre grille, classe grille, ce qu'il faudrait faire, c'est créer une méthode check. Check serait une méthode qui permettrait de vérifier où se trouve le perso. Donc cela permet en fait de jouer comme on l'avait fait au tout début, de laisser le joueur se déplacer quand il le souhaite. Donc là, on aurait pu mettre par exemple while i plus petit que 10. Le joueur se déplace où il souhaite. Et une fois que le mouvement a été appliqué, donc une fois qu'on a utilisé la méthode déplacer, donc je vais le marquer ici, après usage de la méthode déplacer, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est faire un check qui permet de vérifier si il faut déclencher une action. Par exemple, la méthode check permettrait de tester si on se trouve sur un monstre. À ce moment-là, on déclenche un combat. Si on se trouve sur un objet, à ce moment-là, on fait une méthode aléatoire qui nous donne un objet, soit une arme, soit de l'or, etc. Et cette méthode check pourrait tester si on se trouve sur d'autres types d'objets. Donc en fait, tout ceci, tout ce qui correspond au combat par exemple, on pourrait l'enlever et on pourrait simplement dire si le personnage se déplace vers le bas, à ce moment-là, on appelle la méthode check et la méthode check déclenche par exemple un combat. Dans notre méthode check, on pourrait avoir par exemple public, static, void, check, tac tac. On pourrait avoir quelque chose du genre if comment on pourrait dire? On pourrait créer un attribut case actuel égal égal à m.
Donc case actuelle, c'est la dernière case sur laquelle on a marché. Alors à ce moment-là, on écrit algorithme du combat. Else if case actuelle égale à O. Alors à ce moment-là, on va faire ramassage objet. Donc voilà pour cette méthode check qui permet de vérifier si on se trouve sur quelque chose, s'il faut déclencher une action ou pas. Et ensuite, vous faites else return. Donc si jamais on est sur une case vide, à ce moment-là, il ne se passe rien. Du coup, le check ne fait rien du tout. Et on peut continuer et demander à nouveau au joueur s'il veut se déplacer. Donc ça, en fait, c'est plutôt une sorte d'exercice qu'il faudrait que vous fassiez de façon à pouvoir peaufiner un peu ce petit RPG que nous avons commencé à faire. Bon, évidemment, pour avoir un jeu complet, il faut faire plein de choses comme donner de l'XP au joueur après combat. Ensuite, il faut augmenter les niveaux. Il faut créer plusieurs types de monstres. Il faudrait créer des donjons, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des petites améliorations que vous pouvez apporter au RPG pour le rendre un peu plus intéressant. Puisque là, nous nous sommes contentés de faire quelque chose de vraiment basique. Par contre, avec les connaissances que vous avez acquises au cours de ces 10 vidéos, vont vous permettre sans problème de réaliser toutes les améliorations se trouvant donc dans les quelques commentaires que je vous ai mis ici. Donc là, vous n'avez pas besoin de moi pour faire ça. Vous pouvez inventer tout ce qu'il y a ici. Donc le faire de votre propre manière. Par exemple, l'inventaire, vous pouvez très bien dire que c'est un tableau de 10 chaînes de caractères ou de 10 entiers. Vous pouvez dire que 1 c'est égal à épée, 2 c'est égal à bouclier, et dans votre tableau qui correspond à votre inventaire, vous mettez que des zéros, c'est-à-dire l'inventaire vide, et lorsque vous ramassez un objet, vous créez une fonction qui ramasse aléatoirement un objet, donc qui vous renvoie un chiffre. Si cette fonction vous renvoie un 1, ça veut dire que vous avez ramassé une épée, et vous n'avez plus qu'à mettre un 1 dans la première case du tableau, et cela signifie que vous allez avoir une épée dans la première case du tableau. Donc voilà comment vous pouvez procéder. Ensuite, vous pouvez créer une méthode affichée inventaire. Cette méthode retournerait tout ce qui est contenu dans votre tableau de façon à ce que vous puissiez savoir ce que vous avez sur vous et ce que vous pouvez utiliser, etc., etc. Et voilà, donc voilà à peu près ce que vous pouvez faire pour un peu améliorer ce petit jeu. Donc, je vais enregistrer cette classe et je vais vous fournir le dossier tuto 10, donc dans les fichiers de cette formation, comme ça vous pourrez continuer. Donc nous, on se dit au revoir ici. Donc on a fini cette initiation au langage Java pour les jeux. On se retrouvera très certainement dans des futures formations Java plus avancées, dans lesquelles on fera des choses plus complexes. Et bien sûr, des formations Java sur l'interface graphique, donc comment créer des éléments graphiques avec des images, etc., dans une application Java. Donc ça sera pour un peu plus tard. Et bien sûr, vous pouvez retrouver des formations dans tout autre type de langage pour créer des jeux donc avec des langages différents du langage Java. Donc j'espère que vous aurez appris pas mal de choses et on se retrouve sur créationjeu.com.